Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et membres des corps constitués, Madame la représentante de notre cher parrain, professeur Amadou Martal Mbao, Monsieur le secrétaire général du CAMES, Monsieur le président de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, Mesdames, Messieurs les recteurs et directeurs d'établissements d'enseignement supérieur, Monsieur le maire de Diamniadio, chers invités en vos titres, grades et qualités. Excellences, Monsieur le Président, la communauté universitaire a l'insigne honneur et le très grand plaisir de vous accueillir ici, dans ce pôle urbain de Diamniadio, que vous avez bien voulu créer sur le concept des villes nouvelles, prenant en compte de manière fonctionnelle et intégrée les impératifs de compétitivité économique, de mixité sociale et de respect de l'environnement pour un cadre de vie durable. L'inauguration de ce campus universitaire qui coïncide avec la deuxième édition du prix Macky Sall pour la recherche restera inscrit dans la mémoire de la communauté universitaire et celle de la conscience collective nationale. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous avez mis la barre très haut en dotant l'établissement d'infrastructures dignes des meilleures universités d'Afrique et du monde. Ces bâtiments visités répondent parfaitement aux normes pédagogiques en termes de qualité, de sonorisation, de confort visuel et thermique, de sécurité pour des conditions optimales de formation, d'études et de recherche. Je ne manquerai pas également de souligner la formidable exhortation que vous avez voulu, que vous nous avez faite en nous choisissant un parrain dont le parcours est légieux. Un parrain dont le parcours élogieux appelle inéluctablement de la part de nos étudiants inspiration et appropriation des valeurs cardinales. Je veux citer le patriarche professeur Amadou Martal Mbao. Ancien ministre de l'Éducation nationale et ancien directeur général de l'UNESCO, à qui nous souhaitons une très longue vie et une excellente santé. Nous vous remercions pour tout cela, Monsieur le Président de la République, avec la déférence requise. Cependant, la communauté de l'Université Amadou Martal Mbao est consciente qu'il reste à gagner le pari de la maintenance. Excellences, Mesdames, Messieurs, ce projet pédagogique a été mis en œuvre à petite échelle ces trois dernières années, dans la limite de nos capacités locatives, dans le cadre de 5 écoles supérieures qui doivent délivrer à la fin de cette année leur premier diplôme de licence professionnelle. Nous accueillons actuellement 852 étudiants, dont 49% de filles et 52% de garçons. La parité s'est imposée. En L1, L2 et L3, dans 18 filières professionnelles avec un taux moyen de réussite de 95%. 31 enseignants-chercheurs et 18 cadres et agents relevant du personnel administratif, technique et de service. Nous avons développé un important réseau de partenariats à l'international pour observer les bonnes pratiques dans tous les domaines de gouvernance des universités d'excellence et pour nous en approprier en fonction de nos besoins spécifiques et nous assurer que nous restons sur les meilleurs standards de qualité. D'ailleurs, le réseau pour l'excellence de l'enseignement supérieur en Afrique de l'Ouest, RESAO, qui vient de tenir du 9 au 11 novembre à l'Université Félix Oufil-Boigny sa conférence annuelle des recteurs, présidents et directeurs généraux, a proposé
d'organiser la session 2023 à l'Université Amadou Martambaou. D'ailleurs, les excellents résultats du personnel d'enseignement et de recherche de l'UAM lors des comités consultatifs interafricains du CAMES, CSCI CAMES 2022, sont à saluer. C'est l'occasion pour moi de féliciter tous les enseignants-chercheurs, les agents administratifs et techniques de service, les étudiants pour leur engagement depuis le démarrage de l'université. Mesdames, Messieurs, Excellences, Monsieur le Président de la République, la communauté de l'Université Amadou Martambaou voudrait, avec votre permission, remercier le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, professeur Moussa Baldé, ainsi que ses prédécesseurs pour leur engagement actif et leur implication dans la réalisation de cet important projet, tout en rendant un hommage bien mérité à nos deux premiers recteurs pour leur contribution exceptionnelle. D'ailleurs, l'Université Amadou Martambaou compte ouvrir un bureau des seniors pour bénéficier des compétences et expériences des universitaires aujourd'hui à la retraite. Nous souhaitons vivement que l'État nous accompagne de manière spécifique dans cette mise à l'échelle qui va démarrer avec notre installation à Diamniadio. En effet, nous aurons plus que jamais besoin de renforcer nos ressources humaines, tant en personnel d'enseignement et de recherche qu'en personnel administratif, technique et de service, pour mieux nous rapprocher des standards en termes de taux d'encadrement et de critères d'accréditation. Nous sommes d'ores et déjà confiants en votre sollicitude. Mais je souhaite réaffirmer avec force, ici et maintenant, que toute la communauté de l'UAE vous dit à l'unisson, merci, Excellence, Monsieur le Président de la République. Merci pour ce bijou. Merci pour ce bijou. Merci, merci. Merci pour ce bijou que vous mettez à notre disposition et que nous n'aurons de cesse de faire briller au firmament de l'Université sénégalaise. Vous venez encore de prouver que l'université, c'est l'avenir du Sénégal. C'est la clé de notre émergence. C'est ce qui porte en nous notre identité et notre culture. Plus qu'une formation, un avenir à construire. Je vous remercie de vos bêtements et de votre attention.